Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maëva et Laura. Comme vous l'avez vu hier, Maëva a fait une entrée explosive dans la villa des Marseillais. Elle s'est directement clashée avec Laura, la chérie de Greg, dans l'aventure. Maëva lui reproche notamment de s'être mise en couple avec son ex alors qu'elle serait soi-disant fan d'elle. Maëva aurait en fait remarqué que Laura avait liké plusieurs de ses photos sur Instagram. Si Maëva a décidé de s'expliquer sur Snapchat à propos de cette séquence, Laura a de son côté décidé de réagir avec beaucoup d'humour. Elle se moque clairement de Maëva. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Avant de rentrer dans la villa, comme vous le savez, j'ai été confinée. J'ai attrapé le Covid. Donc, je suis restée 12 jours à la maison. Et j'étais toute la journée sur mes réseaux sociaux. Et vous le savez que pendant que nous, les Marseillais, on est en tournage, et ben, il y a plein de trucs qui sortent sur Instagram. Parfois, il y a des trucs vrais et parfois, il y a des trucs faux. Donc, ce que je voyais sur Instagram, c'était que Greg, il se rapprochait de Léna et pas de Laura. Donc, c'est ce qui était sur Instagram pendant que le tournage avait commencé et que moi, j'étais confinée. Donc, moi, et je vois quoi? Parce que vous connaissez, enfin, tous les fans et tout, vous êtes grave à l'affût, vous êtes grave la FBI. Et genre, moi, je voyais quoi? Je voyais que Laura, elle likait mes photos, qu'elle m'avait déjà écrit un message, mais elle a... Et donc, je vous disais, je voyais que genre Laura... Elle m'avait envoyé des messages qu'elle a supprimés, qu'elle a liké mes photos, qu'elle était abonnée à moi et à Hermès, qu'elle a liké les photos du Instagram de Hermès, Hermès Guénam. Et moi, pendant que j'étais confinée, je me suis dit, ah, mais trop bien, genre, c'est une nouvelle, elle m'aime trop, elle me suit et tout, genre, elle me kiffe trop et tout, genre, ça va grave être ma copine. Parce que moi, à chaque fois, je suis copine avec les nouvelles. Et là, je vois quoi? Je rentre dans la villa, je vois qu'elle... Elle est en couple avec Greg. Et là, j'ai frié dans ma tête. Genre, je lui dis, mais en fait, qu'est-ce que tu veux, toi? Enfin, tu likes mes photos, tu abonnes à mon chien sur Instagram et tu tapes mon ex. Et genre, j'ai grave rié. Bon, maintenant, je n'ai pas spoilé non plus le programme, mais c'est pour ça que genre j'avais pété un plomb. Et voilà, vous verrez si je m'entends ou pas avec... pas spoiler le programme, mais genre ça m'avait grave une somme. Genre, moi j'arrive toute contente, je me dis elle like mes photos, les photos de mon fils, genre c'est quand même trop, ça va grave être ma copine. Et au final elle sort avec mon ex et moi, mais j'ai pété un plomb. Et en fait moi je suis arrivée dans la villa en me disant, parce que c'était ce qui se passait sur les réseaux sociaux, en me disant ouais Greg il sort avec Léna. Parce que sur les réseaux sociaux, on faisait des articles comme quoi Greg, il se rapprochait ou il était en couple avec Léna. Et là, je m'aperçois que c'est avec Laura. Et là, j'ai vrillé. Là, voilà. Là, j'ai fait que crier là, mon entrée dans la villa. Mais là, l'épisode de demain. Oh, je vous explique, je m'embrouille avec tout le monde. Avec Jess. Avec Laura. Avec tout le monde. Je me suis embrouillée avec toute la maison. J'ai retourné la maison. Je vous jure. En plus, 12 jours que j'ai été confinée, j'ai canalisé mon énergie pendant 12 jours. Je suis arrivée dans l'aventure. J'ai tout envoyé. Ah, j'avais le démon. Hein. J'avais trop le démon. Mais vraiment, genre, je pensais ça être ma copine et tout. Genre. Parce que moi, à chaque fois, genre, les nouvelles, c'est grave mes copines. Genre, l'année dernière, c'était Vivi. La nouvelle, c'était grave ma copine. L'année d'avant, c'était Néné. Là, je me suis dit, ça va être Laura, parce qu'elle m'aime trop avec mes photos et tout. Au final, c'est tape mon ex. J'ai brillé dans ma tête. Bon, les gars, je vous explique, là, je suis pas bien parce que faut vite que j'aille faire une mise à jour sur le compte Maëva parce que je pense que j'ai oublié de liker 2-3 photos, donc je suis pas bien, là. Bon, vite, vite, vite. Alors là, oh, magnifique. Oh là 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 là. Amazing. Oh, quand je vois Maëva, ça me... Je suis trop bien. Oh, alors là, les gars, c'est 10 000 likes en une photo, là. Parce que là, il y a tout ce que j'aime. Oh, il y a Hermès et Maëva. Oh là 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 là.
Oh là là, bah, 2 en 1 réunis là sur une seule photo, ça me fait un effet. Oh, incroyable. Alors là, incroyable les gars. Alors cette photo, c'est ma préférée et je pense que je vais l'enregistrer parce qu'en fait, bah, comme vous pouvez savoir, enfin, je suis fan d'elle et franchement, je suis fan de ses produits aussi et je voulais faire une prochaine photo Instagram. Donc je vais faire le même make-up qu'elle parce qu'il est incroyable, franchement. Magnifique. Alors là, les gars, alors là, cette photo. Oh, 10 000 likes aussi, les gars. Oh là là, j'en ai des frissons rien que d'en parler parce qu'en fait, je vous explique, en fait, bah, c'est ma première rencontre avec elle. C'est la première fois que je la vois. Et j'étais dans un état, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de. Oh, j'ai des frissons rien que d'y repenser. J'aimerais revivre ce moment, mais tellement de fois, je vous jure. Oh là 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 là. Bon les gars là aussi il faut que j'aille faire une mise à jour parce que oh mais ça c'est trop bien parce qu'en fait quand je vais sur mon Instagram dès que j'ouvre bah la rubrique recherche bah, directement bah, j'ai mes 2 comptes préférés donc c'est trop bien c'est trop facile en fait j'ai juste à cliquer et je suis en instantané alors là oh là 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 10 000 likes encore oh là là Hermès oh, qu'est-ce que je t'aime je pense que franchement dans 1 mois je vais m'acheter le même comme ça je pourrais faire les mêmes photos oh. Celle-là, elle est déclassée. Non, franchement, je vais m'acheter le même. Je sais pas, je vais essayer de la contacter. J'espère qu'elle va me répondre bah, pour lui demander où elle a acheté son chien pour que j'achète le même. Parce que je veux exactement le même. Un œil près, un poil près. Je veux la même couleur. Ah, je me sens tellement mieux. Ça, c'est mon rituel de ma journée. Là, une fois que j'ai liké les photos, là, je suis bien. Trop bien. Wow, caliente, ouais. Caliente, ouais. Par contre, faut faire un petit. Ou hein, parce que la cellulite. C'est facile de clasher sur le physique. C'est trop facile. Qu'est-ce que tu as? Tu m'as mis 2 bouclettes, 2 extensions. Ça y est, Maëva. Et si tu passais de Maëva, mon. Paris au décollage. Oui, c'est.